Les sujets de dialogue de l'époque étaient infinis. La notion d'infini était d'ailleurs elle-même souvent débattue. Toujours d'importance. Le pouvoir et sa police. Le bourgeois et sa police. Le pauvre et sa lopette. Le paysan et son lopin. Barthès, Foucault, Giscard, Nixon, Trotsky, Bader, Mayakovsky, Messrine, Breton, Rauschenberg, les Brigades Rouges, le hold-up, le suicide et Marcel Duchamp. Un indéniable privilège était cependant accordé à la question théâtrale. Le bras de la poupette, le théâtre du soleil, le Lévy, Peter Brook, le No, le Kabuki, Arthur et Leopold. Le rôle social de l'acteur, la place accordée au texte, le refus du beau et de la décoration, l'engagement du public, l'affirmation politique, le théâtre cosmique, une alimentation fondée principalement et par nécessité sur le riz et la semoule donnée à nos selles, la lourdeur de l'enclume, leur chute dans l'eau du siège, rythmait la détermination de nos propos d'un bruit sûr et profond. De budget, de cachet, de subvention n'étaient pas abordés. Même aux chiottes, nous ne parlions alors jamais d'argent, d'institutions, de dossiers et de commissions. La presse ne servait qu'à mal sécher nos fesses faméliques. Parfois, nos culs restaient sales, mais nos âmes étaient propres. Elles nous appartenaient entièrement. Nous faisions des tours de vaisselle, mais jamais de compromis. Nous étions pleins de courage, d'affirmation et de refus. Sans doute perdions-nous beaucoup de temps en illusion collectiviste, mais le temps ne comptait pas puisqu'il n'était pas de l'argent. Nous répétions durant des mois, parfois toute une année. Nos spectacles étaient autant de recherches, de tentatives, de risques pris. Nous travaillions dans l'incertitude, parfois même seulement pour une hypothèse. Nous étions ce qu'il nous fallait être. Danseurs, comédiens, techniciens, constructeurs, maçons, poètes, cuisiniers et interdits bancaires. Agir et penser le sens de nos actes étaient nos seules préoccupations. Les sujets de dialogue de l'époque étaient infinis. La notion d'infini était d'ailleurs elle-même souvent débattue. Toujours d'importance. Le pouvoir et sa police. Le bourgeois et sa police, le pauvre et sa lopette, le paysan et son lopin, Barthès, Foucault, Giscard, Nixon, Trotsky, Bader, Mayakovsky, Messrine, Breton, Rauschenberg, les Brigades Rouges, le hold-up, le suicide et Marcel Duchamp. Puis vinrent les arséniques. Un ministre besogneux avait décidé que l'art alternatif serait désormais art officiel, avec subvention, cahier des charges, résidence, décideur et festival. Une quantité de fonctionnaires allaient pouvoir désormais se lancer dans ce sport hautement cinégétique, la normalisation de toute excitation théâtrale. Les enquêteurs n'enlevaient plus leurs bottes. La chasse du miraculeuse, des cadavres de toutes sortes de gibiers bizarres s'entassaient dans les couloirs des ministères. On ne savait plus où les mettre. Artistes des plateaux, les danseurs à poil long, chorégraphes des voix et compagnie, les ateliers de taxidermie de la rue Saint-Dominique fonctionnaient jour et nuit. Des trophées empaillés, étiquetés et fixés sur socle
étaient envoyés à travers toute la France dans des musées dramatiques pour y être exposés à la curiosité d'un public de fonctionnaires et de parents d'élèves. Les bêtes prises au piège, n'ayant pas la taille réglementaire, se laissèrent parquer dans des réserves appelées acédiques. Perdant de leur instinct d'artiste alternatif, ces animaux dégénéraient en artistes intermittents. Ils beurrent beaucoup et boivent encore. Ils sont à moitié idiots. Le problème est qu'ils se reproduisent abondamment en captivité. D'une génération sur l'autre, le crétinisme gagne encore du terrain. De temps à autre, les débiles retrouvent les empaillés dans les musées. Ils y font des choses assez vagues appelées production. Devant quelques fonctionnaires et des parents d'élèves qui s'y ennuient fermement. Dieu merci, ils ne dérangent plus personne. Ils retournent bien vite dans leur réserve, dont ils ne s'échappent plus que très rarement. Je déteste ce que nous sommes. Je hais les artistes d'État et les acteurs domestiques.